Vous me dites que Batman avait 4 commissariats à ses trousses et qu'il a réussi à s'enfuir ? Quelle horreur ! Et quand on pense que c'est avec nos impôts qu'on fait ces imbéciles ! Vous ! T'as raison, Arty. Amène donc la presse, tant qu'à faire. Imagine la photo à la une, le conseiller et son très étrange ami. Drôle, non? Nous ne sommes pas amis. Oh, Arty, tu me brises le cœur. Ceux qui réussissent oublient si vite. Tu ne te rappelles pas? Toi, moi, Sal et toute la bande. De quoi parlez-vous? Je ne les connais pas, et vous non plus. Je travaillais pour Beaumont, et j'ignorais ce qu'ils faisaient. Oh, mais tu as tout su très vite par la suite. Et tu as bien utilisé tes connaissances, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Trouver qui a zigouillé la joyeuse bande. C'est écrit dans les journaux. C'est Batman. Erreur. C'est faux, ce n'est pas lui. Pas lui. J'ai vu le gars. Il ressemble plus à une vieille bagnole déglinguée. Et il est beaucoup moins mignon que Batman. Selon vous, c'est quelqu'un d'autre? Oui. Une personne qui aimerait beaucoup voir tous les copains disparaître. Oh ! Peut-être même, quelle horreur ! Quel drame ! Moi aussi ! C'est là que j'ai pensé à toi, mon cher Arturo. Un homme bien en vue dans ton genre, je crois, trouverait, disons, ennuyeux si on révélait certains secrets à propos de son passé. Mais attendez, quoi, vous croyez que je serais... Monsieur Reeves, mademoiselle Beaumont sur la une. Beaumont ? Pas la jeune poule, dis-moi. Ouh, quel cachotier. Arthur, tu es là? Chut. Salut, Andrea. On dîne toujours ensemble, non? Excuse-moi, je suis un peu coincée, je ne peux pas. Je t'expliquerai ce soir, d'accord? On se revoit ce soir. Alors ça, quelle drôle de coïncidence! On est en train de parler du père et le fruit de ses entrailles téléphone comme par hasard! Ça donne envie de rire, tu ne trouves pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Sacre Dieu! S'il vous plaît, monsieur le conseiller, vous devez vous contrôler! J'aimerais vous y voir! Aidez-moi! Tenez-le! Monsieur le conseiller, je vous en prie! C'est ça! Voilà! Tenez, cela devrait vous détendre le temps que les toxines sortent de votre corps. Alors essayez de rester calme. D'accord, docteur. Il devrait s'endormir. Pourquoi le Joker est-il venu vous rencontrer? Ça a un rapport avec les meurtres des bandits, non? Il vous croit mouillé dans l'affaire. Pourquoi? Je l'ignore. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Beaumont avait besoin d'un coup de main pour s'enfuir avec sa fille. C'est moi qui l'ai aidé. Quand lui avez-vous parlé la dernière fois? Il y a des siècles, à ma première campagne électorale. Mes finances étaient à plat et je lui ai demandé de l'aide. Et il a dit non. Alors vous l'avez vendu au crime organisé? J'avais plus un sou, j'étais au désespoir. Et ils ont dit que tout ce qu'ils voulaient, c'était leur fric. Je vous en prie, monsieur le conseiller. Vous aussi, monsieur Nati.